Bienvenue à notre séance spéciale court-métrage. Vous allez découvrir dans quelques instants trois films courts qui ont en commun le thème du désir, perdu puis retrouvé. Trois films courts qui ont fait chavirer nos cœurs. Et pour vous en dire plus, eh bien, merci d'applaudir Marie-Pauline Mollaret, la merveilleuse Marie-Pauline Mollaret, coordinatrice du comité court-métrage. Merci Ava. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance spéciale qui donne le coup d'envoi de la programmation court-métrage de la semaine de la critique. Tout d'abord, je voudrais remercier Ava pour sa confiance et bien sûr dire un énorme merci aux formidables membres du comité de sélection pour ces heures de discussion passionnées. Les trois films que vous allez découvrir ce soir font se rencontrer les êtres et les solitudes entre étrangeté, douceur et émotion. Mais le désir n'est jamais non plus très loin. Dans « Pleure pas, Gabriel » de Mathilde Chavanne, la comédie romantique se réinvente, résolument moderne et ancrée dans son époque. Portée par des dialogues d'anthologie, les personnages affirment leur droit à se casser la gueule et à réenchanter leur existence. Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Quelle terreur, mais surtout quelle joie de présenter « Pleure pas, Gabriel » en avant-première ici ce soir. Merci à tous les membres du comité de sélection de la semaine et à Vacaan pour votre accueil dans la sélection. C'était le plus grand de mes espoirs que le film vienne ici et il y vient. Alors je suis très heureuse et puisse tous mes espoirs actuels et futurs se réaliser de la même manière. On verra. Merci évidemment à mes productrices d'avoir recueilli choyer, accompagner ce projet et de l'avoir rendu concret avec moi. Merci à mes comédiens et comédiennes fabuleuses. Merci à mon équipe dont on a quelques petits morceaux ici. Voilà, je ne vais pas parler du film avant puisqu'on ne va pas le déshabiller avant de le montrer. Je pense juste que je peux dire que j'ai tenté de fabriquer quelque chose de sincère et j'espère que ça va vous parler et qu'on pourra en parler après. Voilà, et là, c'est le moment qui me stresse un petit peu plus, mais je me suis beaucoup tracassée cet après-midi puisque je me disais, mais qu'est-ce que c'est cette occasion d'avoir un micro dans les mains en ce moment, dans ce contexte politique si hostile qui ne permet pas toujours d'être entendu et où particulièrement des voix depuis quelques mois ne sont pas entendues du tout. Et je me suis dit qu'à défaut de dire quelque chose qui m'est tout à fait propre, je pouvais juste répéter ce qu'on répète dans la rue. On est là, même si Macron n'en veut pas, nous on est là pour l'honneur des travailleurs, pour un monde meilleur, contre le patriarcat, même si Macron n'en veut pas, nous on est là. Voilà, merci. Alors nous, on tient en premier lieu à remercier la semaine de la critique. Voilà, on est évidemment très très heureuse que ce soit la première ici ce soir, mais aussi pour la manière dont vous êtes attentifs aux films et aux équipes voilà, qui les font, c'est très important. Mathilde, on tient aussi à dire qu'on est très impressionnés, et en fait c'est marrant parce que je pense que les mots que tu viens de dire le racontent aussi, mais... voilà, la manière dont ton film, dans ton film, tu as mis à la fois tant de toi et tant du monde. Voilà, ça nous impressionne beaucoup et c'est très à l'image de ce que tu viens de dire. Et pour nous, Pleure pas Gabriel raconte à quel point on a besoin les uns des autres. Et c'est finalement comme ça qu'on a fabriqué ce film, ensemble. Voilà. Chez Manolis Mavris, il s'agit aussi de changement de vie dans un film de genre ultra sophistiqué qui oscille entre le thriller horrifique et le conte existentiel. Midnight Skin nous plonge ainsi au cœur de la solitude urbaine et révèle le désir intact. Thank you very much. It's a pleasure to be here. I really want to thank the team, my team, which is my family. We've been working on for this film for so long and I cannot express how honored I am to work with you guys. Truly, thank you very much.
And I also wanted to thank Semaine de la Critique. And personally, I wanted to tell you that this is the second time that we are here, and we are extremely honored. This is a very big help for all of us, and I truly value it. So thank you very much. I want to thank also Semaine de la Critique. It's a huge opportunity being here. We are really, really very honored. And so it has been, I thought 3 years, but then Manolis outside told me it was 4. Thinking, rethinking again and again, discussing, trying to convince each other about things in that movie. So I hope you enjoy the final decisions that we made for this character. Thank you so much. Enfin, Stranger, co-réalisé par Jenny Bess et Iris Chassaigne, est une fable romantique dans laquelle les deux personnages s'inventent un langage commun et affirment le pouvoir de la musique, mais aussi du cinéma, pour retrouver le goût de vivre. Bonsoir, merci d'être là, merci à la Semaine de la Critique. Ça fait très plaisir de voir une salle pleine. Le film est parti de la musique, co-écrit avec Johnny Hostile et Malvina. Et voilà, l'envie est venue de faire des images avec et d'essayer de, non pas d'innover, mais au moins de s'amuser avec ce que ça veut dire de relier ces deux arts, la musique et le cinéma, qui sont moi mes deux passions. Je suis ravie qu'on ait pu les assembler dans ce film. Et voilà, après il y a eu de la rencontre avec Agathe, dans beaucoup de nombreux castings qui nous mettaient face à face, et on a eu très envie de se mettre côte à côte et de nous assembler... alors que personne n'y pensait, bizarrement. Et voilà, et Iris est arrivée, Chassaigne, pour la co-réalisation, et c'était incroyable. La magie s'est opérée, j'avais adoré son film Swan dans le centre, qui était à la semaine l'année dernière. Et voilà, ses idées de mise en scène étaient parfaites pour le projet, et voilà. Bonsoir, merci à vous, et un immense merci à la Semaine de la Critique, merci Ava. C'est une très grande joie de montrer le film ici. Et merci à toi, Jenny. Merci de m'avoir embarquée avec toi dans ta musique et ta vision et d'avoir accueilli la mienne. Merci beaucoup à toute l'équipe du film. Merci pour vos regards, pour votre sensibilité et votre travail. Et je voulais te dire qu'on va continuer de montrer qu'on peut... faire des films en étant dans le respect, le dialogue et le collectif. Merci et bonne projection.